un tribunal populaire qui était fait pour demander aux États-Unis de retirer tout Vietnam. Et après le tribunal populaire, ça, les Américains, ils connaissent exactement qui travaille sur l'Américain au Vietnam, et finalement, l'État américain est obligé de retirer tout. Et le tribunal populaire, c'est un tribunal formel, mais son tribunal qui permet de nous mener une bataille diplomatique, bataille politique et même juridique au niveau international. Parce que c'est vrai, les questions de l'hommage en victime, il y a l'Union 4 légal qui a pris l'avocat qui a un travail qui a mené au niveau juridique, juridico-légal, mais tout par là lui-même, la question au niveau politique et diplomatique, avec allié que nous gagnons à travers le monde, nous rentrons en bataille. OVIS, qui c'est l'organisation des victimes du choléra en Haïti. Année 2010, le pays s'est frappé avec le tremblement de terre 12 janvier. La même année, ça, le peuple a retourné frapper encore. Ça, c'est pas terre qui a tremblé, c'est Nations Unies qui a tremblé le pays. Côté Nations Unies, le peuple a choléra. Il y a environ 800 000 personnes qui sont victimes et plus de 15 000 qui mourent. Pour le peuple en battante, peuple a passé misère, peuple a un grand goût, peuple a souffri, et puis même une maladie qui rentre dans le nez, qui vient tuer, qui vient détruire. Haïti n'a pas de choléra, c'est les Nations Unies qui viennent avec choléra dans le pays. Depuis lors, nous-mêmes, organisations qui défendent les victimes, nous prenons naissance depuis en 2011 dans la bataille. L'État haïtien, par exemple, accompagne nous dans la bataille. En guise pour accompagner nous, c'est contre-carré, il y a contre-carré bataille nous-mêmes nous à faire. 6 septembre 2018, l'État haïtien voyait un cabinet avocat en face nous parce que nous t'ai fait attaquer l'État pour te mettre une commission sous pied pour commission ça été capable de gérer ou bien planifier ensemble avec les Nations Unies. Qui est-ce fait nous parler des commissions? C'est parce que l'accord, l'État haïtien était signé avec les Nations Unies en 2006. L'État dit, si il y a un problème qui présentait l'État sahayo, entre les Nations Unies avec l'État haïtien, à mettre ensemble pour créer une commission. Mais l'État vient garder qu'un choléra vient bail, l'État haïtien négligé. C'est comme si nous avons dit, c'est l'État qui planifie avec les Nations Unies pour venir bail peuple à choléra qui pour venir détruire le peuple encore. L'État nous relève l'État tribunal. Il voit avocat en face de nous. C'est Benasséville, doyen tribunal pour tout le président qui est en train de nous laisser ça. Il rend un verdict, il dit qu'il n'est pas compétent pour le temps des dossiers. Mais mes amis, on nous sérieux. Alors, pour le peuple qui a choléra, ce n'est pas le peuple qui a cherché choléra, c'est Nations Unies qui a été. Et puis, quand on a dit qu'il n'est pas compétent, compétent dans qui ça? Qui sont besoin de compétent pour mettre une commission sous pied? Parce que c'est blanc. C'est blanc. Depuis c'est blanc, j'ai tout. Mais ta terre, il n'y a pas à garder blanc en danger. Il n'y a pas à créer une commission. Il y a fait peuple à habit et puis il dit il y a bail peuple à justice. Nous dit politique pays a couvert de ces choléra. Et me dit en Haïti moi-même, si vous nègre, vous faites politique, vous dites vous défendez peuple, vous dites tirer ça c'est pour peuple, vous pas fait des dommages victimes choléra, c'est menti vous bail. Si vous dites c'est leader, vous pas prendre dossier victime choléra en charge. Pour faire des marches pour les Nations Unies dédommager les victimes, ou pas leader vrai. Ou défendre Porsche. Ou c'est leader Porsche. Parce que il y a environ 800 000 personnes qui sont victimes. 800 000 personnes, chaque grain de personnes qui est famille, il y a environ 3 à 4 millions de personnes qui sont victimes dans le pays. Alors pour dire que je défends le peuple, et puis il y a environ 3 à 4 millions de personnes qui ont besoin de l'aide, et pour dire que je défends le peuple, non. Ils prennent de ces choléra, ils ferment, ils ne pas mettre sous table. N'a pas changé le système pendant qu'on équipe qui victime de choléra. Nations Unies sont côté de sortie, ils viennent tuer le peuple là. Et puis nous disons n'a pas changé le système. Écoutez, n'a pas quitté le dossier choléra.
Je dis à nous commémorer juste ça. En mémoire de ça qui est allé. Et ça qui était pour nous dire, bataille là, pas fini. Nous continuons la bataille pour Nations Unies faire des dommages individuellement. Nous pas écarter collectif, mais faut des dommages faits individuellement. L'autre bataille m'a dit, Nations Unies est prêt. Parce que Nations Unies dit lui-même qu'il va écarter et faire des dommages. Et il dit qu'il reconnaît que c'est le choléra. Et là, il est plus loin pour le dire, nous ne pouvons pas ici, pardon. Et après ça, il dit, pardon, pas guéri malade. On nous prend un petit mot ça pour nous gérer le bien pour nous. Là, on dit pardon, pas guéri. Exemple, on monte pilo, il dit pardon, ou répond nous, dit pardon, pas suyer, puis ou dit pour le baisser, pour le suyer. Ça veut dire, les banques qui moun dit pardon, pas guéri malade, ils disent que l'autre bagaille derrière pour le faire encore. L'autre bagaille là, c'est dédommagement. Donc, je dis, victime, yo a demandé dédommagement individuel. Après 10 ans, on a continué la bataille. Nous bataille et nous, l'État haïtien, pas encourager nous. Ils n'ont pas avec nous dans la bataille là. Ils ont même contre nous même. Et s'il le faut, nous croyons qu'on peut dire que c'est pas dans ce zénique baille choléra. Mais regardons l'État, mes amis. Comment nous avons le pays ça? Comment nous avons l'État ça? Ils viennent défendre le peuple, ils viennent défendre la poche. Donc je dis à, je n'ai pas avancé, je n'ai pas parlé avec les victimes, je n'ai pas fait, je n'ai pas avancé. Pour nous voir comment les victimes sont capables de venir justice avec réparation. Parce que la majorité des gens qui sont victimes, ils n'ont pas fait rien dans la vie pour le travail. Ils n'ont pas fait rien dans la vie encore. Parce que les collègues rentrent dans 20 moun, ils rentrent sur 20 moun, économie, tout ça, ils n'ont pas fait business, ils n'ont pas fait travail. Donc je dis, nous disons, journée 1, c'est une journée qui est réservée pour les victimes et la revendication, c'est dédommagement individuel. À quel niveau nous y est après 10 ans? Nations Unies, premier bagage, il n'y a pas de reconnaître ce qui est le choléra. Il vient reconnaître ce qui est le choléra. Très récemment, février 2010, février 2020, là, nous rencontrons avec un représentant des Nations Unies. Il dit nous n'avons pas écarté des dommages individuels. Il dit nous n'avons pas écarté ça. Mais, l'État haïtien qui l'État pays nous a pas arrangé. Nous relais l'État tribunal pour le mettre commission sous pied. Il pas commettre le sous pied. Les nous et doyen dit, il pas gain et capacité pour répondre dossier là, nous fait appel. Qu'est-ce nous pas ta doit faire? Nous fait appel. Alors mes amis, nous pas voler bœuf, nous pas acheter bœuf, nous pas acheter tel en l'État pour nous relais l'État tribunal. Nous pas son jouer, nous pas son démagogie pays. Yon peuple qui victime pour dédommager peuple là et puis c'est goumé pour yon gouma avou pour yon dédommagement, pour planifier dédommagement. Là, j'en ai parlé pour chouab, c'est-à-dire, nous connaissons raison que fait, yon pas fait ça, oui. Raison que fait l'État, il ne sait pas venir rentrer dans le bagage dédommagement parce que yon connaît comme ça, yon pas ka volol, yon pas ka manger. Yon connaît yon pas ka manger. Koun yon, yon vin di, bah yon collectif. Comme habitude, yon, les l'argent yon rentre sous nos peuple, là, il change sous nos yon grand monde. Mais nous disons cette fois-ci, faut que les gens qui étaient victimes aient une justice avec réparation. Vous avez dit ensemble une quantité de personnes dans la représentation qui étaient victimes de choléra. Le pays a eu environ 800 000 personnes qui étaient victimes de choléra. L'organisation a goumé pour 800 000 personnes qui étaient victimes. Ça veut dire, organisation par organisation, il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 1000, 2, 3, 4 000. 800 000 personnes. Quantité de Chitala représente 800 000 personnes. Il représente 15 000 qui étaient mourus. Il représente 15 000, il représente tout 3-4 millions de monde qui étaient victimes indirectes. Ouais, je dis 3-4 millions. Parce que 800 000 qui sont victimes directes et famille alliée, les gens sont victimes indirectes. Donc, ça, ce qu'on fait là, il représente le pays, tout le peuple planète, c'est pour une question de quantité que nous joignons. Et puis, l'État, les gens sont victimes. L'État, l'hôpital, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de certificat. Il n'y a pas de certificat médical qui pour montrer que nous sommes victimes. Mais ça, quand nous communions, quand nous payons pour l'État, pays a fait communion pour ce peuple. Bon, nous ne pouvons pas dire rien, non, sauf qu'il a demandé pour l'État prendre forme colle et pour le faire mettre la commission en sous-pied. Pour la commission en sous-pied, l'accord, il n'y a pas de prévoir de taper choléra. Non, si vous avez prévoir de taper choléra, ce n'est pas ça que vous avez dit. Et nous, l'autre bagaille pour me dire encore. Dédommagement, on a demandé, l'illégal. C'est Nations Unies qui dit,
Les rentrer dans le pays, les causes une catastrophe, mais ça l'a fait, mais ça le doit faire, mais ça le doit faire. Ça veut dire, nous, on doit. C'est vrai, Abdi, Nations Unies, qui milité, l'aile passe dans le pays, l'aile passe, mais en deux, chaque Nations Unies encore, les dit, gros, l'autre gens, nous, qu'a géré, bah, là. Mais pour qui ça va pas faire, nous, former commission. L'aile dit, Nations Unies, qui milité. Si on connaît, nous, pas de doué, gon bagaille, pas de mettre aux portes ouvertes, pour te dire, nous, qu'a créé une commission. C'est parce qu'on connaît, gagner, des possibilités, pour faire des dommages, pour victimes choléra. Nous parlons de Clément Bertoni, coordonnateur organisation des victimes du choléra en Haïti. Oui, Jacques. L'aime de choléra, ça, mon cher, pardon même. L'aime de. Nous arrivons là. L'aime de Mbabon, maintenant voyage, diarrhée, vomissement, même qu'elle soit. Arrivons là, je ne viens pas à caper encore. Je ne pas à caper, je suis tremblé, je suis tombé. Je suis tombé, madame était là. Madame n'a pas connu si je suis tombé. C'est un autre monde, un petit monde qui était bon côté de moi. Il dit, madame Jacques, mes voyages sont tombés. Bon, il est levé pour aller faire monde. Les sables de la bouille pour faire moun qui menen dans l'hôpital avant que l'aime pas l'hôpital ça tout comme a fait mal tout comme red pas qu'à résister tout comme j'aime de faire mal là à partir de la grâce non c'est qui sont demandé même là même m'a demandé réparation individuelle pour toutes victimes choléra. Bon. Est-ce qu'on est déjà handicapé ou bien pendant qu'on est handicapé? Bon, pendant ce temps, c'est même les handicapé. Là, ça a habité qui zone? On était en zone dans le soleil là, qui est Michiko. D'accord.